Allez, nouveau jingle. Allez, c'est parti. Allez, toujours super départ. Gonnet, Colomban. Alors, est-ce que Romain Gioff à l'intérieur là-bas? Ah, il a un peu de retard, Romain Gioff, là, sur ce départ. Il est 5. J'ai l'impression. Il est 5, voilà, Martinez, Gioffre, ouais, ça reste comme et ça. En attendant, vous avez pu remarquer comme moi que Luc Sevarnin, numéro 4 de Vivien Gonnet, ça motrice comme c'est pas possible. Ah ouais, ils ont fait du super boulot. Ah ouais, et il est devant, une nouvelle fois. Le maillot jaune en tête de cette super finale de la MV Cup avec à ses côtés Julien Colomban. Attention, parce que Julien Colomban, s'il arrive à prendre la roue de Vivien Gonnet, c'est pas gagné l'affaire pour Vivien Gonnet. Ils se connaissent bien, ils habitent pratiquement dans le même village. Il fallait pas un tour de plus, je pense. Non, il fallait pas un tour de plus. Donc attention, il n'y a qu'un truc qui peut jouer, c'est peut-être le physique là-dessus. Ouais, puis Vivien a mal, est blessé au dos, il est tombé ce matin. Ah oui, donc attention là. Je l'ai emmené voir Max, l'ostéo. Mais... Ah, oui, il lui a donné un cachet. Donc... Alors, on a Gonnet, Colomban, Gioff, Martinez, Ligon, Brancy, Montgarny, Jonathan, Renault, Roche, Valade, Duvert, Maïc, Montgarny, Arthur et Cavalieri. Ben non, il n'y a pas la Cavalieri, je crois. Tu m'as dit qu'il n'avait pas... Non, si, c'est Véronèse et Ortega. D'accord, ah oui, c'est Véronèse. Allez, on va suivre, devant. Ouais, le Julien Colomban, il est chaud. Hein. Ah bah oui, bah, regarde le freinage là-bas. Il y avait 7 dixièmes. Là, on est une chute encore. Jaune, apparemment. Ouais, non, il s'est qu'il est au ralenti. Ouais, c'est Pidou. C'est Pidou, voilà. Allez. Et là, on va voir, on est sur le ciment là-haut, donc il faut se mettre à l'extérieur parce que c'est intenable. C'est dangereux. Et là, on va voir si l'écart a diminué. Il y avait 7 dixièmes entre l'homme de tête, Vivien Gonnet, et le deuxième, Julien Colomban. On va voir si l'écart a changé dans le deuxième. Ouais, il est pareil. 6 dixièmes, un peu plus de 6 dixièmes entre les deux pilotes. Alors on voit là Colomban qui fait l'extérieur pour venir refermer ensuite. Ah, il est revenu dans les roues là. Ouais. Et attention, Romain Gioff, troisième. Hein. Ah ouais, Romain Gioff, attention. Du coup, Nigon a dû avoir dû sortir. Et vous avez vu qu'en faisant l'extérieur, il est revenu au contact. Julien Colomban, là, il est dans les roues de l'homme de tête. Et Romain Gioff qui revient avec le record du tour pour Julien Colomban en 48-0 dans le tour 2. Là, on va avoir une fin. Ça va être top. Hein. Alors, est-ce que Romain Gioff va venir... Oh là, il est tout prêt, Romain. Il va y arriver, là. Il était à 2 secondes. Allez, Romain. Il est dans les roues, pratiquement, des deux hommes de tête. Allez, Romain. Avec toujours, j'ai l'impression que Vivien Gonnet en a remis un petit coup là. Un petit coup, c'est vrai. Ah ouais, il y avait 6 dixièmes, est-ce qu'il y aura toujours 6 dixièmes au passage? Il y a 9 dixièmes maintenant. Ouais. Il a repris. Mais regarde la trajectoire de Colomban. Ouais. Il fait tout à l'extérieur ici et il revient, replonge. Tac. Complètement différent. Et Romain Gioff est revenu. Il échappe l'arrière, c'est dommage. Il était revenu, à quelques dixièmes de seconde de Julien Colomban qui était juste devant lui. Et pour l'instant, on a toujours ce trio magique. Ouh, c'est chaud. Vivien Gonnet, Julien Colomban, Romain Gioffre. Allez, la descente dans quelques instants, le haut du circuit, là. C'est là où est le ciment, vous voyez. Il faut absolument rester extérieur pour ne pas glisser. Et là, on est dans la descente et la compression. Là, je peux vous dire que pour tout l'or du monde, je ne monte pas derrière. Là, la compression, c'est terrible. Le virage à droite, ensuite, il commande la ligne d'arrivée. On passe déjà au quatrième tour de cette super finale. Et Vivien Gonnet qui s'échappe. Il a maintenant pratiquement le même 9 dixièmes. Il n'arrive pas à s'échapper. Romain Gioff qui est revenu. Romain Gioff qui revient. Ah, il est tout prêt. Alors, attention de ne pas échapper derrière, comme tout à l'heure, Romain, là. Et ça va te permettre de revenir peut-être. Ah, mais non, ça motrice bien mais aussi. Non, ouais. Du côté. Ça motrice plus. Ah, la Sherco. La Sherco motrice plus un peu plus. Ouais. Ah, c'est une moto française, un Cocorico, la moto de Julien Colomban. Fabriqué dans la région d'Alès, même à Alès d'ailleurs, ces motos françaises. Et en attendant, Vivien Gonnet largement installé. Attention de ne pas perdre l'avant là, sur cette ornière pour Vivien Gonnet qui est en tête. Ah, mais, Romain Gioff, c'est magnifique la sortie super, du virage là-haut. Super, mais pour l'instant, il a le record du tour. Ouais. 47-2 pour Romain Gioff. Ah, c'est pas étonnant. Hein. Bon, ça lui amène rien, c'est dommage. Mais non, mais bon. Allez, encore dernier un tour. Allez, dernier tour. Romain, il est trop loin. Allez, Vivien Julien. Gonnet est là. Ouais. Et Julien Colomban qui cherche l'ouverture et ça balade, ça attaque de tous les côtés. Pour le 51, Julien Colomban, deuxième pour l'instant. Vivien Gonnet qui maîtrise parfaitement dans ce dernier tour. Oh, là, c'est énorme la course entre les deux là. Toujours à l'avantage de Vivien Gonnet. Les deux pilotes de Briançon se tirent une bourre phénoménale. Toujours c'est à l'avantage de Vivien Gonnet qui va peut-être faire le grand chelem une nouvelle fois. Il reste encore un peu plus d'un demi-tour. Attention, il y a un retardataire. J'ai pas vu qui c'était. Ouais. C'est peut-être Sébastien Pidou ou Arthur Montgarny. J'ai pas vu. Il va se garer pour laisser passer les fusées de la MV Cup.
Et Vivien Gonnet dans le dernier virage, dans quelques instants. Voilà, on y est dans le dernier virage. Allez. Et on va passer la ligne, on va se mettre sur la roue arrière. Ouais. Et nouvelle victoire. Nouvelle victoire de Vivien Gonnet qui fait le grand chelem. Trois courses, trois victoires. Deuxième place pour Loïc Colomban. Et la troisième, elle est pour Romain Gioffre qui doit se mordre les doigts d'avoir raté sa première course. Ensuite, on va avoir Grégoire Martinez. Oui, dommage qu'il rate le podium pour 2 points. C'est dommage. Et Colomban, et Nigon qui fait 5. Nigon qui fait 5. Donc on aura sur le podium la victoire une nouvelle fois de Vivien Gonnet qui fait carton plein. Trois finales, trois premières places. Ensuite, on aura, ça sera 5 et 3, 8 et 2, 10. Et donc, à égalité. Colomban, Colomban-Nigon. Colomban-Nigon, c'est le dernier.